Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un angle totalement incongru. Vous n'avez jamais vu cette partie-là, puisque d'habitude, c'est ce que moi, je vois. Et vous, vous voyez ce qu'il y a dans mon dos, donc là, ce qui est en face de moi. J'étais en train de filmer des vidéos pour un projet qui va sortir très très bientôt. À la fin de la semaine, il sort, donc restez connectés. Déjà, ça c'est la première chose. Et du coup, je me suis dit que j'allais garder cet angle-là. Et les mêmes vêtements d'ailleurs. Vous allez avoir deux vidéos où je porte exactement la même chose et où j'ai exactement la même tête. Plus les vidéos du projet, donc... Hein, vous allez me voir avec le même look pendant un petit moment. Je retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo boîte aux lettres. Mais pas que, parce qu'en fait j'ai reçu que trois courriers cette semaine. Donc je me suis dit que ça servait à rien en fait de vous embêter avec ça. Et de juste vous montrer mes courriers. Et que j'allais aussi vous montrer un rapide haul que j'ai fait chez Noz. Donc c'est parti. Première chose que j'ai reçue au début de la semaine, j'ai rien filmé de début de la semaine donc je vous montre tout ça le même jour, c'est cette jolie carte, celles qui suivent Positive Scrap sur les réseaux sociaux seront au tout courant. Il s'agit d'une carte puisqu'elle est actuellement dans les Pyrénées à côté de Lourdes pour ses vacances. Et du coup elle m'a envoyé une jolie carte, donc merci énormément à Claire donc de Positive Scrap. Pour ce gentil courrier, ça me fait très plaisir. Et comme tu peux le voir, il y a déjà le scotch puisque ça fait quelques jours qu'elle est accrochée juste là et que je la vois tous les jours, donc merci beaucoup. Ensuite j'ai reçu un joli courrier de la part de Brigitte. Brigitte, j'avais participé à son concours il y a de ça quelques mois maintenant. Je lui avais envoyé le flipbook, je vous mets le lien en barre d'infos pour voir ce que je lui avais envoyé. Et du coup elle m'a envoyé une magnifique carte que j'aime beaucoup. Pardon, j'ai eu une urgence gâteau. Je t'entends rigoler, hein. Donc, elle m'a envoyé cette magnifique carte et à l'intérieur, il y avait une très belle memory dex. J'ai très très peu de memory dex, j'ai énormément d'ATC, mais j'ai très peu de memory dex. Et je suis très contente d'avoir cette memory dex, donc merci beaucoup Brigitte, ça me fait très plaisir. Et merci, c'est tout. Ensuite, dernier courrier que j'ai reçu, encore une memory dex et encore un remerciement pour un concours. Donc comme ça au moins, voilà. J'ai reçu une grosse enveloppe avec à l'intérieur une memory dex et une carte de la part de Adeline du compte Mon Plume. C'est un compte que j'aime énormément, j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, elle m'a envoyé sa jolie carte. Je vous mettrai en lien en barre d'infos son compte. D'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Brigitte. J'ai mes lunettes qui se cassent la figure. Puisque Brigitte a le compte Mes Débuts Créatifs, il me semble. Et voilà. Et Adeline, du coup, qui a le compte Mon Plume, qui a fait cette magnifique carte. Ainsi qu'une memory dex à couper le souffle. J'aime trop. Et j'avais vu cette memory dex, hein, elle a fait la vidéo tuto. Et franchement, mais c'est tellement tellement beau. Mais elle est quand même très 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 douée, hein, cette Adeline. Donc voilà pour la jolie memory dex. Donc en fait les cœurs sont cousus, donc ils sont à 100% voilà comment. Enfin ils peuvent prendre un peu de volume, on va dire. Donc c'est très beau. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Et enfin, chez Noz, alors j'ai acheté pas mal de choses pour vous puisque je suis en train un petit peu de faire un stock de choses pour envoyer dans les calendriers de l'Avent. Si jamais j'ai des swaps à faire, etc. J'aime bien avoir un peu de stock et même pour glisser dans les courriers, dans les happy mail et tout, c'est toujours sympa. Donc quand je vais chez Noz et tout, je fais toujours attention de regarder, même si c'est des choses qui moi sont pas trop dans mes goûts. Je les prends des fois quand c'est des choses sympas parce que je me dis que ça peut vous faire plaisir et être intéressant. J'ai pris des sequins en forme d'araignée comme ça pour Halloween. Donc ils étaient à 80 centimes au lieu de 2 euros l'unité. Du coup il y en a des noirs et il y en a des oranges. Et puis c'est pas qu'un peu, hein. Il y a 35 grammes par sachet, donc c'est pas mal. Et ça me fait du stock, c'est bien. Ensuite j'ai pris ces petits stickers, je les ai déjà déballés parce que je vais les mettre dans mon classeur à stickers. Des petits stickers puffy comme ça pour faire des emballages, c'est plutôt sympa. Ensuite un autre planche de stickers pareil que j'ai déjà déballé avec ces jolies plantes et ces jolies petites bébêtes que j'aime beaucoup. Là il y a un joli scarabée, j'aime bien ce genre de choses, c'est très sympa.
J'ai trouvé de la marque Dovecraft ce petit classeur de stickers qui était à 99 centimes. Et dedans, il y a pas mal de stickers plutôt sympas sur le thème du voyage. Un peu de stickers pour faire du journaling aussi. Pour faire des... Ça, c'est pour faire mon carnet de voyage. C'est plutôt sympa. Donc voilà. J'ai pris ça. Il était pas très cher. Donc voilà. Et j'ai craqué sur un bloc de papier. Mais tellement beau. C'est ce bloc-là. Il était à 99 centimes. Et à l'intérieur, il y a notamment ce papier-là. Donc déjà, les papiers sont hyper épais. Et ça, c'est cool. Et magnifique, mais vraiment sublime. J'aime trop. Pour faire des albums pour cet hiver ou quoi, franchement, c'est trop beau. Voilà. Même ça, franchement, même ça. Parce que là, vous voyez pas super bien, mais il y a une texture derrière. C'est trop beau. Il est très beau ce bloc, lui là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Franchement, j'aime trop. Je suis fan de ce bloc. Et pour 99 centimes, clairement, je ne me prive pas. Donc voilà. Mais je vous ai pris aussi des blocs de papier. Je vous ai pris des planches de stickers et tout. Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Ah, et j'ai oublié. Et j'avais oublié, j'ai aussi pris ces deux jolis petits washi tape. J'arrive pas trop à vous les montrer. Il y en a un avec des scarabées comme ça. Voilà. Et un avec des formes un petit peu aztèques comme ça. Ça va avec la planche de stickers. C'est la même marque. Et voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'arrête de dire voilà. Ça ne sert à rien. Et j'ai aussi reçu une commande de la marque Freeprint. C'est un site internet sur lequel vous pouvez commander des photos. C'est vraiment un très bon site internet. Je vous recommande parce que c'est très peu cher en fait. Et c'était très bien. Donc voilà, tout est arrivé. Parfaitement bon état et tout. Donc trop bien. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Et n'hésitez pas à me rejoindre à la fin de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos.